Oui, c'est vrai que bah, j'ai de bonnes sensations. J'ai vraiment réussi à appliquer toutes les sensations que j'ai mis cet été. Et puis c'est vrai que j'ai trouvé un petit déclic qui fait que en tir ça va bien, en ski ça va vite. En fait, que Martin soit 5 secondes ou une minute devant moi, ça, théoriquement, ça devrait rien changer sur la préparation d'aborder une course. Parce que sur une poursuite, il faut faire sa course. Enfin, sur toutes les courses, bien sûr, mais sur une poursuite, il faut se forcer à rester dans sa course. Et du coup, le fait que Martin soit devant, ça a changé pas grand-chose pour moi. Je me concentrais sur mon ski, mon tir. Après, je pouvais pas m'empêcher, quand j'arrivais sur le pas de tir, de regarder celle-ci pour voir combien de fois tu l'avais fait. Et quand mon premier tir il en rate deux et moi je fais le plein, je peux pas m'empêcher de voir que je lui revenais dessus. Mais bon, malgré tout, on n'a jamais été en confrontation, j'ai toujours resté loin devant. Et au niveau du tir, je suis bien contente. Bon, couché, j'en rate deux, mais parce que je pense que je me suis un peu trop précipitée, j'étais un peu trop excitée. Et puis bon, voilà, comme le premier tir s'était bien passé, j'avais envie d'essayer un peu plus rapidement. Ça m'a vite rappelé à l'ordre. Et après, sur le debout, je suis bien contente parce que c'est des choses que j'ai pas fait tout l'été et que j'ai réussi à bien faire. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de me faire plaisir et remonter tout au long de la course, mais surtout m'appliquer sur le pas de tir. Et voilà, donc je tire à 19. Les sensations sur les skis étaient bonnes et j'ai bien pris du plaisir. Alors, c'est le plus important.